je vais ajouter quelque chose avant de continuer. Beaucoup appellent, ils disent, pourquoi le lait? Many used to call us on phone and say why we are using the milk. Sachez que know that Dieu peut dire, Dieu peut inspirer à Papa Florian de prendre le sable. God can inspire the man of God, by example, de prendre n'importe quel sound, objet sur cette terre des vivants, any element on earth, et d'utiliser pour la gloire de son nom. And use it for the glory of his name. Donc ne faites pas du lait une fixation. So don't take the meat like fixation. Dieu peut se glorifier à travers n'importe quelle God chose. Can glorify himself with anything on earth. Parce qu'il a mis son pouvoir en son serviteur. Because he put his power in his servant Daddy Florian. Mais je vais vous donner le témoignage du lait. Let me give you the testimony of the milk. À quel moment Dieu a inspiré ça à son serviteur? Which moment God inspired it to his servant Daddy Florian? La personne n'était pas ici. The person was not here. Elle était dans une autre ville. She was in another town. Et la femme avait son enfant de 12 ans. And the woman have the son of 12 years. Qui faisait la diarrhée, qui vomissait, qui chiait, qui vomissait, qui chiait. Ça ne s'arrêtait pas durant toute la nuit. So the boy have diarrhea all the night. La femme était paniquée. So the mommy was troubled. Elle ne savait pas ce que faire. She don't know what to do. Et elle a appelé l'homme de Dieu à 6h00. She called the man of God early in the morning by 6 o'clock. Lorsqu'elle a appelé, when she called the man of God, quand l'homme de Dieu a répondu, allô, when the man of God just answered hello, cette femme est tombée automatiquement sur onction. Automatically the woman fell on anointing. Et Dieu a dit, and God said, à son serviteur Papa Florian, to his servant Daddy Florian, faut lui recommander d'aller dans une boutique. Tell her to go to a shop, d'acheter un œuf, to buy one egg, d'acheter une boîte de lait, one milk. En ce moment, la dame n'avait pas le sang de Jésus. The woman don't have the anointing oil with her. Il lui a montré comment composer. La dame a composé. He showed her how to mix the elements. Il a fait simplement la prière au téléphone. So through the phone, the il man a dit, of God prayed. Remets ça à ton fils. Give it to your son seriously. Prie avant de lui donner. Pray before giving it to your son. La dame a exécuté, elle a fait la prière, elle a remis ça à son fils. The woman made the prayer and she gave it to the son. Quelques minutes après, some minutes after, la diarrhée, les vomissements se sont arrêtés automatiquement. So the boy was vomiting and the diarrhea just stopped automatically. Ce jour-là, grâce à Dieu, that day, by the grace of God, j'étais dans cette ville. I was in the same town with the woman. C'était à Bongwanu. It's at Bongwanu, one part of Kampala. Et l'homme de Dieu m'a appelé. And the man of God called me. Il m'a dit, tu es où? He asked me, where are you? J'ai dit, je suis à Bongwanu. I said, I'm in Bongwanu. Il dit, ça tombe bien. He said, okay, that's right. Va visiter cette dame. Je viens de lui faire une prière et tu me rends compte. Go and pay visit to this woman. I've just prayed for her. Je suis arrivé. So I reached the woman's house. J'ai demandé à la dame qu'il y a un enfant qui est malade ici, où il est. I said, where is the boy who's seriously sick? En ce moment, j'ai dépassé l'enfant qui jouait. The boy was playing outside and elle I just passed lui-là. Him. She showed the boy. C'est lui-là qui est malade là. Is it this boy sick? Et c'est elle qui m'a fait le témoignage. So now the mom gives the testimony of the milk. Et j'ai fait le témoignage à l'homme de Dieu. And I give account to the man of God, Daddy Florian. C'est pour dire que to say that si Dieu dit à if Papa God Florian, to Daddy Florian, prends telle chose, take this thing, il va accompagner ça de puissance. He will lead him with power. Si tu fais ta prière avec foi, if you make your prayer with faith, comme on t'a dit, like they advise you to do, ce que tu as demandé à Dieu, là, what you ask to God, tu vas recevoir ça dans le nom de Jésus. You receive it in Jesus' mighty name. Voilà. Le lait aussi, c'est biblique. So quand vous allez dans Job 6, the milk is biblical. Go in Job 6. Pour guérir les ulcères de Job. In my bone, to heal the ulcer of Job. L'esprit de Dieu lui a dit de prendre. The spirit of God advised him to take. L'œuf. The egg. Et il a été guéri. And he was healed by the eggs. Donc voilà. This is how. D'où vient le lait? The coming of the milk.